pire est à venir. Interview alerte rose. Christophe Dugarry, est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Me faire draguer. Ça tombe bien, t'as commandé deux putes sans champignons, et voilà. Merci Laurent. Est-ce que vous préférez embrasser ou vous faire embrasser? Non, les deux. Les deux. Est-ce que vous préférez caresser ou vous faire caresser? Bah, l'un va pas sans l'autre. Hein. Ouais. Vous préférez tacler ou vous faire... Est-ce que vous préférez larguer ou vous faire larguer? Me faire larguer. Me faire larguer. Larguer. Et tu te le feras, je... Quel est pour vous, Christophe Dugarry, l'endroit idéal pour faire l'amour? Là, il est pas mal, hein. Non, mais quand on aime, il n'y a pas d'endroit idéal. Ouais. Bah oui. Partout ça va. Partout ça va. Ouais. Dans quel endroit êtes-vous incapable de faire l'amour? L'anus, ensuite. Laurent, c'est le service public. On est dans un endroit public où on me voit directement. Quoi, ici, vous ne pourriez pas, là, par exemple. Oh, on voit qu'il a la barre transversale, ça peut être gênant pour lui. Bien sûr que non, 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 mais de, voilà, en public. Et si, attendez, ça, non. Et si on ferme tous les yeux? Non, en même temps. Viens. Ah, ça vient. Tapotage. Est-ce que vous préférez une femme qui baise bien, mais qui est infidèle, ou une femme qui baise mal, mais qui est fidèle? Qui baise mal, mais qui est fidèle. Tu as les deux sur le plateau. Est-ce que vous préféreriez, Christophe Dugarry, que Frédéric vous quitte pour un homme ou pour une femme? Ouais, elle est brillable, 30 secondes. Pour une femme. Pour une femme? Bah, bien sûr. Ouais, c'est moins vexant. Oh, bah, l'ego est moins touché, bien évidemment. Ouais. Ah, ah. Si Frédéric vous proposait de faire l'amour à trois, vous préféreriez que ce soit avec un homme ou avec une femme? Jésus ou Jeannie Longo? Oh, bah absolument pas avec un homme. Ah ouais? Ah non, je suis pas du tout attiré. Ouais, pas du tout. Ah, rien. Bon, bah tu gagnes Jeannie Longo. Si vous deviez avoir que la moitié de Frédéric, vous prendriez le haut ou le bas? Le haut, parce qu'il y a le cœur. Oh, que c'est bon. Merci, Jeannie. Bon, on va récupérer le bas, nous, alors. Hein. Non, faut que ça serve. C'est bien, c'est bien. Ah! Est-ce que quand on aime, on peut tout faire? Oui, je pense. Tout? Tout. La vaisselle, les courses, tout. Ah, est-ce que vous avez déjà, Christophe Dugarry, simulé l'orgasme? Ah oui, je m'en souviens. Oui, oui. Magnéto, Serge. Très beau ralenti de Dugarry qui... Je vois pas comment on peut. Si? Si, on fait « Ah, ah, ah. !» Faut me faire un gros plan de Thierry qui s'émule. Ah, tu me fais trop mal. Thierry, tu peux le refaire, s'il te plaît. Refais-le. Vas-y. Ah, ah, ah. Non, tu peux le faire quatre fois de suite. Les licornes sont de Roger Hart. Les costumes sont de Donald Cardwell. Bien. Est-ce que vous avez déjà prétexté, Christophe Dugarry, une migraine pour refuser de faire l'amour? Une migraine, non, une fatigue, oui. Ah, est-ce que se regarder fixement, comme ça, regardez-moi, Marie-Claude, se regarder fixement, comme ça, pendant un dîner, pendant tout le dîner, est-ce que c'est trompé? Non, non, c'est un blocage du nerf sciatique. Non, c'est pas ça... trompé. Oh, bah non, on n'est pas... Ça commence où, trompé? Bah, trompé quand il y a un acte, il y a un acte, voire même un baiser. Chez le notaire, un baiser, attends, un baiser, c'est trompé déjà. Oui, je pense, ouais. Même sans la langue. Bien sûr. C'est trompé. Méjaquet, c'est trompé pour toi? Bah non. Et si ta femme embrasse Méjaquet? Voilà, Christophe Dugarry, capitaine de Bordeaux. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.